Bonjour, aujourd'hui petite préparation saumon fumé. Bon, j'ai la voix un peu cassée parce que j'ai un peu la crève, mais bon, c'est pas grave, vous comprendrez, vous verrez bien tout ça en vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, dans un premier temps, je vais enlever toute la graisse, tous les déchets qui me paraissent pas nécessaires, avant de mettre ça au sel, de façon à faire un saumon bien propre. Voilà, bon, pour ça, je viens parer les morceaux que je considère qui n'ont pas leur place ici. Voilà. Que c'est du gras. Ça sert à rien de garder du gras. Donc je vais bien éparer. Voilà, là j'ai paré mes saumons. Donc maintenant, dans le fond d'une gamelle, j'ai mis du gros sel. Vous faites un lit de gros sel sur lequel je vais venir poser mes saumons côté pot. Et par la suite, je remettrai du sel par-dessus. Donc là, j'ai placé mes saumons sur un lit de gros sel. Alors le gros sel, c'est du gros sel de Guérande que j'utilise. Et après, dessus, je vais venir recouvrir à nouveau de sel. Donc vous en mettez une bonne couche. Voilà, un bon petit tapis de sel. Je vais en rajouter un petit peu. Surtout à l'endroit où les saumons sont les plus épais. Parce qu'au niveau de la queue, il y a moins d'épaisseur, donc on met moins de sel. Voilà, là on était sur des filets d'à peu près 1,5 kg. Donc on va laisser à peu près 8 heures au sel. Faut pas les laisser plus longtemps parce qu'après, de toute façon, vous aurez un... Ils seront trop salés, donc c'est pas la peine. Voilà. Donc 8 heures au sel, c'est parfait. Allez, on va laisser reposer et on revient dans 8 heures. Bon, ben là, ça fait 8 heures maintenant que le saumon il est au sel. Donc je vais l'enlever du sel, je vais bien le rincer. Et après, je vais le ficeler et je l'emmènerai au fumoir. Donc là, j'allume le fumoir. Et j'ai ma rampe avec ma sûre. Je viens de mettre un petit bout de boîte à œufs.
que j'enflamme. Puis ça va faire combustible. Et voilà, ça commence à fumer. Regardez comme c'est beau. Bon. Allez, c'est parti pour une douzaine d'heures. Ça y est, là, je suis allé les récupérer. Donc, ils ont fumé à peu près une bonne dizaine d'heures. Hein. Et ensuite, là, ils sont bien frais. Je vais bien pouvoir enlever les arêtes centrales et commencer à les couper en tranches. Allez, c'est parti. Bah, à ma grande surprise, en fait, ils n'ont pas d'arêtes. Généralement, il reste toujours les arêtes là au milieu. Et là, non, ils sont totalement désarrêtés. Bon, hormis une ou deux qu'ils ont peut-être dû oublier. Donc, je ne devrais pas être embêté à avoir à les enlever à la pince à épiler, quoi. En fait, quand je dis pince à épiler, vous voyez, c'est ça, c'est comme une pince à épiler, mais bon, version XXL. Voilà, donc voilà, c'est parti. Voilà, dans un premier temps, je vais enlever l'arrière. Là, la première tranche, elle n'est pas terrible. Alors pour ça, j'utilise un couteau spécialement conçu pour... Alors on essaie de faire des tranches plus ou moins épaisses. Pas trop épaisse, pas trop fine non plus, hein. Faut trouver le juste milieu. Voilà. Généralement, moi, je fais deux paquets comme ça. Parce que un, c'est trop, deux paquets, c'est mieux. Quand on les sort. Parce qu'après, je peux les conserver relativement longtemps. Je les mets sous vide. Donc, sous vide, vous les gardez sans problème un mois. Hein. Et après, sinon, je peux les congeler et je les ressortirai en période de Noël, quoi. Voilà. Et ça fait des belles petites tranches. Et avec ce genre de couteau là, ça va très bien, quoi. Voilà, j'ai senti quelque chose, peut-être une arête. Je vais bien voir. Et, je sais pas si vous voyez, on voit toujours l'épaisseur du couteau à travers. Ça veut dire que en épaisseur, on est pas mal, quoi. C'est des belles petites tranches. Comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais vous mettre un accéléré aussi un peu parce que sinon vous allez trouver que ça met trop de temps, quoi. Donc là, c'est bon, là, j'ai fini de débiter mes deux filets. Donc en fait, j'ai divisé en quatre, hein. Je fais des paquets de 500, 550. Comme ça, c'est plus facile à stocker quand on ressort, sinon sortir un kilo de saumon. Parce qu'après, moi, ce que je fais, je les mets sous vide. D'ailleurs, je vais vous faire voir. Et sous vide, vous pouvez les garder un mois et demi sans problème. Donc là, on est un petit peu loin de la période de Noël. Donc après, ce que je peux faire, c'est les congeler. Et on les ressort et ça altère pas le goût, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, j'ai mes quatre filets coupé en tranches. Là, j'ai mes deux talons. Donc, les talons, généralement, j'en fais des pâtes au saumon. Hein, parce qu'en fait, là-dedans, on ne peut plus faire de tranches raisonnables. Ça devient de la charpie. Enfin, c'est pas terrible, quoi. Et voilà. Et là, à côté, j'ai mes deux pots. Allez, je vais mettre tout ça sous vide.
Et voilà, premier sac. Donc ça, c'est parfait, c'est bien à plat. Et franchement, ça se conserve, mais hyper bien, quoi. Jamais eu de soucis. Donc ça y est, c'est bon, j'ai fini de mettre sous vide. Donc là, j'ai mes 4 petits sachets. Donc je vais pouvoir en congeler. Je les mets comme ça directement sous vide, il n'y a pas de problème. Et après, je les mets au congèle. Bon, je vais m'en garder un pour les semaines à venir, là. Et voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Puis si vous avez des questions, bah, laissez-les en commentaire. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.